Parler du désert, on a un peu menti, mais bon, il fait quand même chaud, puis il y a du monde, hein. Là, du monde. T'es pas tout seul, y a de la vie. Salut les gars, apparemment ouais, il fait chier. Bon, ça va Olive? Ouais, kilomètre 5, t'es comment là? On est pas au kilomètre 5 encore. Faut arrondir, faut arrondir. Ouais, faut arrondir. J'ai l'impression sur la course. Non, c'est magnifique. Il commence à faire chaud par contre. Donc il est que. Peut-être 11h là. C'est ça à peu près. Donc je crains demain quand même avec la grosse chaleur. Mais c'est super. On a la patate. On est 2h11, on a fait 16 km. Et à savoir que là on rentre dans les 10 km les plus compliqués de la course, de l'étape. On va être sur un terrain technique avec pas mal de montées descentes, beaucoup de sable sec. Mais bon, sable sec ça nous connaît, vu l'entraînement qu'on s'est fait sur l'île de Ré. On vient de passer au deuxième checkpoint. On a récupéré 2 litres d'eau par personne. Allez. Voilà.
route avec, je pense, avec quoi, 40, 50 de D+. Ouais, à peu près, ouais. Mais dans le sable sec. Assez dur, ouais. Et puis là, ça monte depuis tout à l'heure. On est toujours en montée, dans le sable sec. Mais le petit plus, c'est qu'il reste qu'un seul kilomètre. Et on touche à la fin de la première étape. Et on arrive, bivouac, à 1 km. Donc c'est plutôt cool. Devant, pas grand monde. Derrière, pas grand monde. Voilà. Déjà moins de 4 heures sur la fin. Je pense que c'est super content. Allez. Allez, bisous. Bisous. À tous. Être dans une rivière asséchée là, parce que par endroit c'est assez humide, c'est magnifique. Bon, depuis tout à l'heure je vois le cul de Maël, mais bon, ça me dérange pas. Numéro 21, je le connais par cœur. Petit tour par derrière, on est tout seul là. On est tout seul, mais on est bien. C'est magnifique. Le président des foulées rétaises, voilà.
bon. C'est bien de faire des vidéos dans les moments où ça va bien. Mais là c'est compliqué quand même. On est un peu dans le dur là. À 29 km. Fait chaud. Fait chaud. Là, pour ma part, je fais que de boire, j'ai l'impression d'être déshydraté, c'est horrible. Prends le temps, là on marche. Prends notre temps. On sait qu'on a déjà fait 30. C'est ce qu'il faut se dire, faut toujours regarder le côté qui est fait. Mais ouais. Là on est dans le dur. C'est pour ça aussi qu'on est venu. Hein. Voilà, suivons là. Kilomètre 38. C'est pas facile. Il y a plus grand monde autour de nous. Il y avait un coureur qu'on laissait de la recherche qui a abandonné. Hier il y a eu une quinzaine d'abandons. Et là vraiment l'épreuve est très 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 technique. Fait que monter, descendre, pas prendre de rythme. Il y a trop de cailloux. C'est pas praticable, on a 10 kilos sur le dos. C'est hyper dur. C'est très très compliqué. Mais bon, à côté, voilà, le petit plus c'est la vue quand même. Une super vue. Et puis on sait qu'on est toujours dans les 70 premiers à peu près. Donc le classement on s'en tape, mais ça fait toujours du bien de savoir que il y a à peu près 200 personnes derrière nous qui galèrent aussi. Donc voilà. Bon, je pense qu'Olivier, je pense qu'on va rigoler quand on va avoir cette séquence, parce que là, on en chie. Ça va, Olive? Ouais, ça va. On est à 52 km et demi. 5 km du dernier CP? Voilà. Du dernier CP de la deuxième étape. Toujours sur la plage, longue ligne droite. On est pas mal. On a notre rythme. On assiste à un petit coucher de soleil, regardez-moi ça. Et les gens qui sont derrière, ce sont nos poursuivants. Bon, grosse étape aujourd'hui. Bon là du coup on quitte la plage. On a quand même pas mal de chance parce que comme vous pouvez le voir, c'est balisé en lumineux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer là cette nuit. Et là, nous, il est un peu plus de 19h. Et là, on va commencer à regrimper. Je sais pas où, mais c'est par là que ça se passe. On commence à repartir vers les terres, histoire de rejoindre notre bivouac. Il nous reste à peu près 4 km et quelques jusqu'à notre prochain ravito. Et du coup, il nous reste environ 12 km avant l'arrivée de cette étape mortelle. Voilà. Alors là, voilà. Là, je veux dire pourquoi je suis en train de péter un câble. Parce qu'on est en train de monter ça. Ah, ça. Ah. Ouais, ça équivaut à un col de 250 mètres, 300 mètres à peu près. C'est même pas noté sur la carte. Alors voilà, ça me fait péter les plombs. Parce que je me suis pas alimenté ni hydraté pour ce type d'épreuve. Au bout de 55 km, c'était censé dérouler. Donc là, je suis pas bien, je suis en train de péter les plombs. Putain, les gars, on y est! On y est, bordel! Après ouais, c'est bon. 12h40 de course, on passe cette putain de ligne d'arrivée. De Souza, Olivier, chargé d'opération. Thank you.
l'arrivée de la deuxième étape, où on arrive en pleine nuit, là c'est une image qui sera gravée toute ma vie. Joan Mahé, Master of Management à l'INSEC Bordeaux. 23 ans. Foot pendant 14 ans, tennis et maintenant course à pied. Donner du sens au sport parce que c'est beaucoup mieux pour aller loin dans l'aventure. Martin Fourcade. Le Pérou. Le saucisson après l'étape de 66 km dans ma tente. L'arrivée finale sur la plage qui bouclait le half marathon.